Je m'appelle Guillaume, je suis entrepreneur, j'ai ma société et j'ai 28 ans. Moi j'ai investi dans l'immobilier une première fois et donc là c'est le second investissement que je fais avec Manuel et Mickaël. Et pourquoi j'ai voulu investir, c'était pour me construire un patrimoine et pour investir dans quelque chose qui change un peu d'intérêt, parce que moi je suis dans un monde virtuel et j'aime bien investir dans quelque chose de plus concret. J'ai découvert le site investissementlocatif.com tout simplement sur internet en faisant une recherche. Le début, ça s'est bien passé. En fait, moi je les ai rencontrés à l'agence directement et tout de suite j'ai eu un bon contact avec eux. Je trouvais qu'il y avait un vrai sens commercial et c'est ce qui avait manqué aussi mon premier investissement que j'avais fait avec une autre agence. Donc ça, j'avais beaucoup apprécié. Et donc ce qui est assez marrant, c'est qu'au final l'appartement, enfin moi je leur ai donné entièrement confiance pour trouver le bien. Et l'appartement, je l'ai pris sans même le visiter parce que j'étais en week-end, j'étais pas à Paris. Et donc ils m'ont appelé, Guillaume, on a trouvé un appartement qui est top. Donc ils m'ont décrit, ils m'ont fait le plan, j'ai vu des photos. Et du coup j'ai signé, enfin j'ai dit oui même avant de le voir. J'ai fait une offre par mail même avant de le voir. Et finalement je suis pas déçu du tout. Moi j'ai signé un contrat de recherche d'appartement donc avec investissementlocatif.com. Et je m'attendais à avoir des nouvelles d'ici un mois en fait après le début de la signature pour qu'ils commencent à rechercher. Et au final, je crois que c'est une semaine et demie après avoir signé, on avait déjà trouvé un appartement, enfin ils avaient déjà trouvé un appartement pour moi. Donc j'étais super content et surtout que la première fois que j'avais fait un investissement, en fait ce qui m'avait dérangé c'est que c'était à moi de recontacter l'agence. Et j'avais l'impression de moi-même devoir relancer alors que c'était pour moi c'est le chasseur qui est censé faire ce travail-là, quoi. Donc j'avais été très content du contact commercial et de la rapidité en fait, avec laquelle ils ont trouvé l'appartement. Donc ensuite, une fois que j'ai signé pour l'appartement, les travaux ils ont commencé directement et moi c'est ce que j'aime bien en fait avec ce type de prestation-là, c'est que ça m'évite de me poser des questions. En fait, je fais confiance entièrement à l'agence, donc là c'est investissement locatif .com. Et du coup, j'ai pas besoin de me poser de questions. Est-ce que c'est un bon emplacement? Est-ce que c'est. Enfin, je délègue vraiment cette partie-là et je trouve que ça permet d'être hyper tranquille pour envisager l'investissement et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, j'étais en vacances quand les travaux ont commencé. J'étais parti en Amérique du Sud pour un mois et c'est génial de se rendre compte qu'au final, même quand on est en vacances, ça continue d'avancer et le projet se construit quand même. Ça c'est cool. Ouais, donc après les travaux, moi je suis venu ici à plusieurs reprises pour voir un peu l'avancement et voir comment ça se passait. Et j'étais hyper surpris en fait quand je suis rentré, il y avait un ouvrier qui était en train de couper du bois pour construire des meubles. Donc là, on a notamment une penderie et meubles télé et bibliothèque aussi, qui ont été faits sur mesure pour l'appartement. Donc ça épouse parfaitement les angles, c'est parfait parce que l'appartement, en plus, les murs sont pas à angle droit. Donc je trouve que c'est un vrai plus d'avoir des meubles sur mesure pour optimiser à fond l'espace ici. Et la décoration, je trouve que ça serait sympa. Ouais, c'est très contemporain. Je pense que ça peut plaire à tout le monde. Concernant la mise en location, ça a été rapide. J'ai tout de suite reçu un dossier. Et en fait, par précaution, j'ai voulu voir d'autres personnes avant, donc en fait, ça a pris plus de temps. Ça a pris 2 semaines avant de. Bah, avant de là, l'emménagement va démarrer demain. Ça a pris 2 semaines, et donc ça s'est très bien passé aussi. Hein. J'ai fait confiance, ils ont fait les visites. J'ai pas du tout eu besoin de m'en occuper. Et là, j'ai 2 très bons locataires pour l'appartement. Est-ce que je le referai? Oui, je vais le refaire. Alors, je vais peut-être attendre un peu. Je veux d'abord finir celui-ci. Pas brûler les étapes non plus, mais je vais certainement reprendre un appartement aussi à Paris. Et ce que je le recommande, oui, je le recommande, j'ai recommandé à plusieurs amis, et dont un ami qui va acheter l'appartement qui est juste à côté, donc c'est plutôt marrant. Donc, oui, je vous le recommande. C'est une bonne boîte, je la recommande surtout pour le. Je trouve que le contact avec le client est. Enfin, moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait avec investissementlocatif.com.